Bon, salut à tous. Alors, je continue le retex des lames de tête, mais vous allez voir, ça va être le nouveau monde. Alors, voilà, la Tika XP, Petzl, trois petites pierres, trois, ça marche longtemps, ça éclaire longtemps, ça coûte pas cher. Le truc devant se repousse là, voilà, pour un éclairage diffus. C'est bien, c'est pas cher, ça dure longtemps. La Petzl Mio RXP, voilà, c'est pareil, c'est une Petzl, c'est très solide, ça marche bien, ça prend des piles R6. Voilà, il en faut 3 et ça marche longtemps, c'est pas difficile d'entretien, il suffit juste de s'en servir. Voilà, après la Phoenix HM23, elle marche avec une pile R6 aussi. Si vous voulez mettre en accu, vous pouvez. Salut, ouais, c'est costaud, ça marche, c'est solide, indestructible. Ensuite, la Phoenix HL50. Alors c'est pareil, ça marche avec deux sortes de piles, vous verrez bien, il y a des rallonges et tout le bordel, c'est costaud, ça marche, ça tombe jamais en panne. Après, il y a la Phoenix HM50R, super, ça marche super bien, rechargeable et tout le bordel par USB, nickel chrome, impeccable, ça marche long et longtemps, impeccable, ça vous fait pas chier, c'est léger. Après, la Phoenix W23R, celle-ci on ne peut pas changer les accus, c'est les accus natifs d'origine. Voilà, allez, c'est bon, la vidéo est terminée, ça correspond au temps que vous regardez. Salut les gars, allez, bon courage, attardez-vous pas sur les vidéos, c'est pas la peine de les regarder, vu que ça n'intéresse personne. Allez, hop!